Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du centre sportif de Warfa. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo de cardio-abdo. Donc, il va y avoir une séquence de cardio, toujours la même qui va revenir tout le long de la séance, entrecoupée d'une séquence de abdo. Les abdos, il va à chaque fois y avoir un exercice et tout au long de la séance, des exercices vont s'y ajouter. On va commencer directement par notre séquence de cardio qui va nous servir d'échauffement également. C'est parti, on connaît, on va commencer en petits pas. Sur les côtés, pas trop difficile, juste pour se mettre un petit peu en jambes. On fait bien aller les bras sur les côtés et on se met en mouvement tout doucement. Deuxième exercice de cette séquence de cardio, c'est le patineur. Je vais faire un pas sur le côté et mon autre jambe va passer derrière. Allez, super! On accélère un petit peu le mouvement. Et même mouvement, mais on ajoute les bras. Un bras qui va aller toucher le pied. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on continue en jumping jack. Les bras sur les côtés. On écarte et on ouvre. Allez, super, on rentre le ventre, on se tient bien droite. Encore 4, 3, 2, 1, on ajoute les bras. Allez, super, les bras bien haut. Échauffement de l'ensemble du corps. On sent que le rythme cardiaque commence un petit peu à augmenter. Encore 4, 3, 2, 1, et une jambe pilote derrière. Allez, super, on continue. Toujours bien à droite, toujours bien gainé. Et les jambes qui bougent une fois devant, une fois derrière. Allez, très bien. Encore 4, 3, 2, 1, on continue, mais avec les bras qui accompagnent dessus. Allez, super, il reste encore deux exercices dans cette séquence de cardio. C'est la séquence qu'on reprendra tout le long de la vidéo. Encore 4, 3, 2, 1. Dernier exercice, je me mets au sol, pied, et je me relève. Tout doucement. Allez, super. On a 4, on a la moitié. Encore 2. Et le dernier, on reste au sol. On reste au sol et on est parti en mountain climber. À pied puis l'autre. Allez, très bien. Une jambe puis l'autre. Allez, on accélère un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je me redresse. Ok, voilà la séquence de cardio. On va enchaîner directement avec les deux premiers exercices d'abdos avant de recommencer notre séance de cardio. On peut se mettre sur son tapis. Les coudes au sol. Et je vais monter en planche pendant 16 temps. J'essaye de bien avoir mon dos aligné. Ni le dos creusé, ni les fesses en l'air. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
On a la moitié. Et 10. 1, 12, 13, 14, 15 et 16. On peut relâcher. Ok, on relâche que quelques secondes parce qu'on enchaîne directement avec le deuxième exercice d'abdos. La même chose. On se place. On va se placer en planche sur les coudes. Et 16 fois, on va monter sur les mains. Attention, 3, 2, 1, et c'est parti. On monte et on descend. Ça fait 1, 2. Le bassin ne doit pas bouger. On est bien contracté. Ça fait 5. Allez, 7. On a la moitié. Plus que 6. 5. 4. 3. 2. Encore une fois. Et je relâche. Ok. Les deux premiers exercices d'abdos sont finis. On va recommencer notre séquence de cardio avant de recommencer la séquence d'abdos en ajoutant un troisième exercice. Donc, je te rappelle, on commence la séquence de cardio avec les petits pas. Facile. Des petits pas sur le côté. Ça me permet de bien reprendre mon souffle avant d'enchaîner tout le reste. Aujourd'hui, on va essayer de ne pas s'arrêter pendant 30 minutes. Un exercice continu. Allez, les petits pas, les bras qui accompagnent sur le côté. Et je suis partie avec le pas du patineur. Un pied et puis l'autre. Allez, super. Encore 3. 2. Encore 1. Et on ajoute le bras. On va toucher le pied. Allez, super. Encore 3. Et 2. Et encore une fois, et on arrive en jumping jack. Allez, super. On écarte et on rapproche les jambes. On est bien à droite, les abdos bien alignés. Et on ne s'arrête pas. Allez, super. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Et j'ajoute les bras. Allez, on fait travailler l'ensemble du corps. Allez, super. Encore 4, 3, 2, 1. Une jambe puis l'autre. Devant, derrière. Toujours bien gainé, bien droite. Allez, super. 3, 2, 1. Et j'ajoute les bras. Allez, après celui-ci, il reste deux exercices. Et on repart pour les abdos. Les coudes au sol et je suis partie pour 16 temps
en planche sans bouger. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je relâche quelques secondes et je me replace déjà pour monter sur les mains. 16 fois également. Allez, c'est le deuxième exercice. 3, 2, 1, c'est parti. On monte et ça fait 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et 7. Ok, je relâche. Troisième exercice, je me place sur le côté. Gainage latéral. Le coude au sol. J'ai plusieurs solutions. Soit je vais monter avec mes pieds les uns sur les autres. Soit je mets la jambe de devant, la jambe de dessus devant pour plus de stabilité. Si j'ai trop difficile, je peux également fléchir les genoux et monter sur les genoux. À vous de choisir. 3, 2, 1, c'est parti pour 16 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Toujours le même exercice, je le fais uniquement de l'autre côté. Directement, je me replace. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Super, je ne perds pas de temps, je me relève. Et on est reparti pour la petite séance de cardio. Les petits pas sur le côté, facile. Un petit peu plus dynamique. Et 5, 4, 3, 2, 1, je passe au sol et je me redresse.
Ça fait 1. Derrière, passe bien sur le côté.
Encore 4, 3, 2, 1, point. Et j'enchaîne avec les mains. Come on.
tout à fait. Et je vais partir avec les mains et les jambes proches de l'autre et je descends. J'en fais 1, 2, je souffle en montant, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Je te souhaite une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos.